Normalement, ça devrait marcher. Normalement, on est bon. Normalement, j'ai tout réglé correctement. Attendez, c'est où Elden Ring? C'est là Elden Ring. Elden Ring. L'anneau d'Elden. L'anneau d'Elden. Le cercle d'Elden. La bague de ce bon vieux Elden, finalement. Allez, Zwardy! J'espère. Oh, j'ai remis. Non, non, oui, non. Attendez, attendez. Oui, c'est bon. Normalement, maintenant, ça va marcher. Ok, le temps que ça marche. Tout est sous contrôle. J'ai changé la dernière minute les settings. C'est bon. C'est parfait. J'ai ma belle manette rose bonbon là. Avec une licorne dessus. J'ai coupé les notifs Discord. Je suis tout simplement adamantine. C'est parti. Rouge. Allez. Oula, ça déconne un peu. Twitch, s'il te plaît, merci. Déjà que je stream sur tes services. Merci, ça marche. En vrai, un de ces jours, peut-être va y avoir un random qui va débarquer, qui va être en mode tu joues comme de la merde. Et c'est pas faux. Non, c'est pas faux. J'espère que vous m'entendez bien par contre. Ouais, le micro est branché, normalement, vous m'entendez. De toute façon, au pire, je reçois un message en mode on t'entend pas. Hey, mon thé, il a pas mal infusé à froid en vrai. Il a pas mal infusé. Parce que du coup, j'ai une gourde avec du thé. Je me suis enfin fait une gourdasse. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ok, nickel. Je vais couper ma souris pour éviter qu'on ait des embrouilles. Non! Continuez! J'en étais où? Je pense qu'on va tenter d'aller bolosser le. Comment ça s'appelle? Le boss qu'il y a dans la table ronde, là, le mec rouge. Je pense que je vais tenter d'aller le bolosser en vrai. Parce que bah, il avait pas l'air si galère que ça. Pour une fois que je dis ça d'un boss dans Elden Ring, en fait, vu que j'ai pas fait les autres. From Software. C'est prévu, hein. C'est prévu. Bloodborne, je pense pas que je pourrais le stream. Je tenterai de le faire de mon côté. Mais parce que bah, je n'ai pas de PS4, je rappelle, hein, donc je vais squatter chez mes deux potes qui l'ont. Voilà. Au cas où ces deux potes sont dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Dont le message. Mais qu'est-ce que je foutais ici déjà? Merde, j'ai oublié qu'est-ce que. Pourquoi j'étais là? Pourquoi j'étais reparti ici? Bah, en fait, j'avais voulu. Qu'est-ce que je foutais là? Pas question ça. Je crois que j'avais voulu explorer en fait le l'endroit avec avec les courants d'air, je crois. Les courants d'air chaud ascendant là. J'ai des runes? Non, j'ai plus de runes. Ouais, je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer où? Ou alors j'ai tout claqué, c'est possible aussi ça. Bon bref, range la torche. Bébou, range la torche. Très bien la rondache, c'est bien. Wouh! C'est bon, on est parti. Bon, du coup, je vais juste voir un peu pour cette histoire de courant ascendant. Il me semble que j'avais déjà commencé, que ça m'emmenait pas vraiment quelque part, mais bon. Les papillonx! Donne les papillonx. Merci. J'ai les papillonx, c'est bon. Agréable tout de même, hein. J'ai parlé d'Elden Ring à mon père. Il m'a pas répondu. Je veux faire déshériter après avoir parlé d'Elden Ring, tu sais. Tu as trahi les Elder Scrolls. Oui. Bah écoutez, au bout d'un moment, il faut bien. La trahison, c'est typique de la France, écoutez. Allez, le cheval! Le cheval, je le trouvais trop beau. Allez, c'est parti. En plus, je trouve même pas beau ce cheval. Genre, est-ce qu'on peut le pimper à un moment donné? Parce que si on peut pas le pimper, je trouve ça déprimant en fait. Genre. Ok, c'est celui-ci. Ah, ah! Non! Pourquoi j'ai fait ça? Oh, si! Si! Oui, je voulais atterrir là-dessus! Vas-y, non! Oui! Fuck. Fuck. Bon. Oui, je voulais aller atterrir au-dessus. Mais je suis sûre qu'on doit pouvoir atterrir au-dessus. Genre, c'est quoi l'intérêt sinon? Ah, elles sont là, mes runes! Nickel! J'en avais combien? Combien? À zéro, c'est bien ce qu'il me semblait. Un géant là-bas. Et quoi si je tente ça? Hop, petit rebond. Ok. Ouais, zéro rune, ça va, j'ai le droit. Ok, donc il faut que j'essaye d'aller au-dessus. Mais en vrai, je sais pas si c'est possible. Mais bon, on va faire ça. Et puis, si en un quart d'heure j'y arrive pas, on laissera tomber et puis on ira voir du côté du boss rouge là. Grotte marine, c'est par là, à la sortie, je crois. J'économise mes torches, hein. Ah oui, mais j'ai des flèches de lumière en plus maintenant. Après les papillons de lumière, j'ai les flèches de lumière. Trop bien. Je rappelle que je lui ai mis que je lui ai mis une boîte vieille, hein. C'est ça le futur. Et très bonne nouvelle si jamais vous n'êtes pas sur mon serveur. Sachez que
Sachez que Oblivion remarche sur mon PC, donc je vais pouvoir reprendre les lives Oblivion, ce qui sera probablement le cas demain. Vu qu'à l'origine j'avais prévu de faire une heure d'Oblivion, une heure d'Outer Wilds la semaine dernière, que je n'ai pas pu le faire. Ça va, c'est un peu de flamme. Ça picote. Wouh! Allez, une, deux, une, deux. Oh. Les animations sont quand même chouettes, hein. Y'a pas à dire. Salut! Oh oui, l'animation du machin. Ok. Ici, ici, ici! Mmh, yeah! Non, ok, ça marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Bon, écoute, c'est pas accessible, c'est pas accessible. Hein. Ou alors, il faut débloquer un deuxième rebond. Je sais pas si c'est possible, mais... Bon, bref. On va aller... table ronde. Merci. Bon, zéro rune. Tranquille, quoi. La carte, c'est ça, la carte? Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Table ronde. Où que c'est, la table ronde? C'est hors map, je crois, non? Ou alors, il faut se téléporter depuis les feux, je me souviens plus. Palais surplombant le lac, église d'Irith. Rive sud de Liurna. Sud de la chaussée de Liurnia. Ouais, non, c'est pas là. Le jour éternel. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la jour éternel aussi, mais je vais peut-être pas le faire, ça. Bon, on va se TP vers le... L'endroit avec la grâce oubliée la plus proche. Wouh! Tagda, tagda, tagda. Tiens, je vais reparler à celui qui était en mode... T'as pas de servante? No maiden? Hey! J'ai pas le droit de te parler quand je suis à cheval? T'aimes pas mon cheval? T'aimes pas le cheval, c'est ça? Findus? Oh, quel exploit, je vous félicite! Vous avez réussi à survivre et parvenir au château de l'orage! Oh, prime, vous avez rejoint le bastion de la table ronde! Vraiment, c'est admirable! Dites-moi, qu'avez pensé du bastion de la table ronde? Ne fatiguez pas, je le sais déjà! J'ai dit les progrès se rassembler autour de la table ronde, mais aujourd'hui, c'est qu'un ramassis de fiers à bras admirables! Je présume que ça fait une grande déception. Oh, mais je vous comprends. Pourtant, faire partie de cette confrérie n'est pas sans avantage. Pourquoi ne pas essayer de vous y faire une place, opter pour la voie de la vertu? Ouais, quand même. Oh, cela vous tente donc. Voilà une décision justicieuse. Au jour de la table ronde, vous devez acquérir une rune majeure et demander obéissance auprès des deux doigts de la chambre intérieure. En prétendant qu'ils sont les maîtres de la glace qui guident vos semblables, laissant éclat. Représentez-vous donc à eux, et vous verrez par vous-même. Il est pas du tout sus, hein. Pas du tout sus avec son masque sur le visage et ses... Mais ça se trouve, il a un masque sur le visage parce qu'il a le visage comme les soldats de Godric. C'est peut-être ça, le lore du perso, je sais pas. Je suis très intriguée, mais en tout cas, lui, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Il y a quand même moyen de faire des jolis trucs avec la cam comme ça. Bah merde, j'ai oublié. J'ai oublié comment on fait pour aller à la table ronde, ça va pas m'aider, ça. Fuck. Y'a personne qui est là pour m'aider, I guess. Attendez. Parce que normalement, c'est hors map. Normalement, c'est hors map. Ce qui est très chouette, mais moi, j'aimerais bien y aller, quand même. Fuck. Ah, attendez. Faut peut-être que je parle à ma meuf. C'est peut-être ça, ouais. Où qu'elle est? Ah, je peux plus. Fuck. Ah, j'ai peut-être pas le droit de lui parler ici, ceci dit. Ah. Merde. Bon, on va se TP, c'est pas grave. Téléportons-nous. Marchand nomade, grotte marine. Marine, marine, marine. J'étais partie par là aussi, non? Ah non? Non? Ah bah non, je l'ai pas fait. Yo, salut Sacha. Bon, on va peut-être partir par là finalement, ça peut être rigolo. Ouais, on va faire ça. On va passer à travers les bouffons là. Non mais y a pas à dire, ces ennemis sont très très classe. Ils sont classe, ils sont beaux, mais je vais moins rigoler quand je vais me retrouver en face, tout simplement. Bon. Cela étant dit, ouais, je voulais tabasser le mec dans le château de la table ronde, mais je sais plus comment on y va, donc ça va être compliqué. Vu que c'est hors map, il faut se TP, mais attends. Ah si, ma meuf peut-être. Peut-être ici, je peux parler à ma meuf. Attendez. Ah bah non. Bon, soit. Moi j'ai oublié. Attends. Je suis quasiment certaine qu'il y a un truc... inventaire peut-être, un truc pour me rappeler là-bas. J'ai toujours la bénédiction du baldaquin, ça c'est vrai. Sert à rédiger des messages, vous renvoie vous ou un autre dans votre monde. Conseille la marque coopérative, crée une marque d'impression. Pour la table ronde, c'est en bas à gauche de la map. Ok, merci. Je t'avouerai que bah, du coup, j'avais pas du tout fait gaffe.
En bas à gauche. Ah, merci frérot. Hop, c'est parti. On va tenter le boss rouge. Rouge. Parce que du coup, j'avais laissé un peu les courants d'air ascendant vers le truc de l'eau, mais visiblement, ça changeait rien, donc... Let's go, quoi. Vous pouvez désormais acheter de... nouveaux objets auprès des carcasses des servantes. D'accord. Je vois pas pourquoi, en quel honneur, mais très bien. Salut. Je t'ai acheté un sort de soin. J'ai jamais utilisé. Attendez, faut que je trouve la balconnade. Tiens, t'es qui, toi? Ah ouais! Ah ouais, on en est là, d'accord. Bon bah sympa, hein, merci. On se sent accueilli quand même dans votre machin. Hein. Très joli tableau, cela étant dit. Ouh. Merde. Edgelord, ah oui, quand même. Vous êtes en vie, vous? Ah, c'est elle, les carcasses. Ok, acheté. Oh! Ouh! Let's go! Ah ouais! Oh oui! Ça manque carrément des trucs d'esprit et tout! Vous faites prendre l'apparence d'un... D'accord. Saut des doigts. Attends, tu peux taper avec un saut? Oh, c'est intéressant ça par contre! Bon, on va aller péter la gueule, aller... enfin, péter la gueule, pas sûr que j'y arrive, mais... On va tenter. Ok, d'accord, très intéressant. Je ne les avais pas du tout capté la dernière fois, celle-là. Ou alors, j'avais pas encore le droit à l'ouvrir ici. C'est possible. Hey! Il disait quoi, lui? Grand arbre, pourquoi? Pourquoi? Très juste. On voit pas très bien la statue. Ah, attends. Ah oui, c'est mieux. Ouais, ils sont jolis, par contre, elles sont jolies. Ça en fait des épées plantées, quand même. Je peux les retirer? J'ai le droit? Qu'est-ce qu'il est, Edgelord? Voilà, c'est là, c'est en bas. C'est juste là. On va rigoler. Ça va être rigolo, tiens. Ah merde, je me souviens plus des touches, attends. Attends. Ça, c'est coup d'épée normal. Ça, c'est coup puissant. Ok, c'est le plus important. Bah, il est pas là, cette fois? Ah, merci! Attends. Attends, mais c'est un... Envahis votre monde? Attends, c'est un envahisseur? Du coup, c'est pas un boss? Quoi? Ah ouais, non. Je disais quoi? Ça va être facile? Oh! Ok! Oh! Oh, bâtard! Oh! Ok! Calmez-vous, mon bon seigneur! Ouais, non, pas le droit. Pas le droit à ça avec lui. Ok. Ok. La provocation, c'est terrible. Ah, je suis congelée. Ah, je suis bloquée. Ok. Ok. Vas-y. Ah, j'ai con, quoi. Ok. Wouh. Aïe, 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 ça picote. Aïe, aïe, aïe. En vrai, ça va, je sais pas à combien de pourcents je l'ai eu, celui-là. Ça va, vous vous amusez? En tout cas, ça va, j'avais pas de runes à perdre, donc vraiment la rigolade, quoi. Attends, par contre... je vais peut-être aller revoir la madame pour qu'elle me gère la bénédiction du baldaquin, en vrai. Enfin, après, techniquement, je suis pas en train de l'utiliser, mais... Attends, je vais aller voir. Elle est où ma femme? Où qu'elle est? Elle est là-bas, non? Oui, il y a la statue de... Rhys, je crois. Hey! I am pleased. Would you like the blessing is still a flame in your... Would you like... Rappel de lock on avec R3. C'est vrai. Vas-y. Approchez. Désolée, j'ai envie d'un câlin. Envie d'un câlin, là, tout de suite. Désolée, j'aime beaucoup cette animation. You are so very warm.
mon secret? Attends, attends, mais... Comment ça? Là d'où je viens, on m'appelait la compagne mortuaire. Après avoir bénéficié de la chaleur et de la vitalité de plusieurs champions, je suis restée auprès de la dépouille d'un noble exalté afin de lui accorder une seconde chance. C'est ma seule raison de vivre. Mais avant d'avoir pu ramener le noble à la vie, je fus éveillée par la grâce et chassée de ma patrie. S'il vous plaît, comprenez ma situation. Malgré tout cela, je désire conserver mon rôle de compagne mortuaire. Lors de grâce, laissez-moi vous enlacer aussi souvent que nécessaire. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée. T'inquiète, je te laisserai m'enlacer aussi souvent que tu veux. Hein? Merci. Par contre, est-ce que du coup ça augmente? Ah non, ça doit pas, ça va augmenter. Hein. Ah non, ça va, elle est pas activée, on est d'accord. Parce que... Après, c'est possible en vrai que ce soit pas actif, mais que j'ai quand même le debuff de vie. Ce serait dommage. C'est un peu embêtant. Surtout, nous disions. C'est juste que je l'ai débloqué en fait, finalement. Bon! Vous m'entendez bien, on est d'accord? Ouais, c'est ce que je vais faire aussi. Allez, c'est parti. Viens là, Coco. Coup critique nécessaire, droit devant, parade. Allez, c'est parti. D'entrée de jeu! Insupportable, la connasse! Vas-y. À portée de l'âme, quoi. Terrible. Pourquoi je me mets en crouch? C'est pas le but. Ok, c'est bon. Ok. Ça picote. Ah! T'es sort de mort. Ok. Vas-y, sprint, sprint. La meuf qui n'a aucun respect, c'est terrible. Ça va. Ça se passe pas trop mal! Reculons. Sors! Ouais. Bon, j'ai zéro rune, hein, mais dans le doute. Ça va! Aïe! Oh, non, ça va pas. En fait, je peux limite plus les esquiver quand je n'utilise pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais, la roulade me fait légèrement ralentir! C'est bon. Pourquoi je me suis mise en crouch? Au secours! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en très bonne condition actuellement. Oh, midlife quand même! Midlife! Attendez, ça se passe mieux prévu quand même. Roulade! C'est bon. Je suis plus rapide! Ah! Je fais moins de dégâts aussi! Il va me... Ouh! Oui. R3 c'est à droite, L3 ça crouch. Oui, oui, je sais! Mais c'est juste que je dois appuyer sans faire exprès sur le... Sur le crouch. Mais bon. Vu que c'est aussi le... Attends, c'est le truc pour la caméra? Ah non, c'est juste pour avancer, non, non. Du coup, forcément. C'est de quel côté déjà? C'est en face... Oui, c'est en face, c'est bon. Zbardi! Oh, attends. Est-ce que je peux être une bâtarde? Est-ce que j'ai... Normalement, j'ai récupéré des papillons, hein. Boulette cicatrisante, disciple saignement. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Je peux être... Attends. J'ai le droit d'en faire qu'une? Ah non, j'ai plus de peau fissurée. Si. Hein? Bah, j'ai assez de champignons et de papillons, non? Pourquoi j'ai pas le droit? Ah, j'ai plus de peau fissurée. Si, c'est ça, c'est bon. Enfin, c'est bon, non, du coup, mais... Ok. Soin d'urgence, c'est en haut. Ok. Là, le problème, c'est surtout que je n'arrive déjà pas... Vas-y. On va se placer devant lui pour lui mettre un coup critique dès le début. Soyons une connasse. Assumons. Allez. Ah, désolé, c'était tentant. T'inquiète, tu es déjà morte. Mais du coup, je me demande, c'est quoi le lore de ce boss, en fait? Enfin, mini-boss, plutôt, parce que... Enfin... C'est... étrange. N'est-ce pas?
Allez, c'est parti. Oui. Allons-y. Allez, il arrive. Il arrive. 3, 2... Recule, poulette. Ouh. Ok, je vais peut-être pas commencer comme ça, finalement. Mais une fois que j'ai... Enfin, c'était tout à l'heure, je crois que j'ai réussi à lui caler une attaque et à vite me barrer, juste pour l'emmerder. Mais bon. Ah, je peux changer les conseils. C'est trop bien. Ne vous inquiétez pas, on va l'avoir. Je suis sûre. Par contre, le fait que la musique ne change pas, genre qu'il n'y ait pas de musique de boss, ça, par contre, vous voyez, ça me perturbe. Ça perturbe grandement, même. Attendez. Je vais mettre une musique de boss, là, pour le tryhard. Attendez. C'est compliqué, là, ce qui se passe. J'ai quoi en musique? Non, ça, ça va pas le faire. On remet Fires of Okai, ça vous va? Fires of Okai, c'est pas mal, ça, non? Par contre, il va falloir que je baisse. Beaucoup, parce que c'est très fort, sinon. Ok. Encore un peu. Voilà, ça me paraît pas mal, là, je pense, c'est bien. Ok, nickel. C'est pas un boss s'il y a pas de barre de vie en bas. Oui, non, mais c'est juste un mini-boss, quoi. Enfin, tu m'as comprise. C'est juste un gros ennemi. Oula, c'est vraiment fort par contre. Oh non, c'est juste mal réglé. Ok. Vraiment la musique de Tryhard, on rappelle que c'est Fires of Okai. Hop, vas-y, viens, viens. Le railleur, en attendant, c'est moi qui te fais chier, non? Qu'est-ce qu'il fait? Tu t'inclines? Bah, c'est gentil. C'est gentil de s'incliner, vous êtes bien aimable. Oh! Dites-moi, c'est tendu chez vous. Vous entendez la musique ou pas? Parararara, papa, parararara. Ok, 2. Roulade. Les feintes, toujours les feintes. C'est terrible. Cette femme pourrait jouer au foot. Hop. Yes, c'est un émulateur. Ouais, ça émule juste un joueur, on est d'accord. Ah bah, je préfère combattre lui qu'un vrai joueur, c'est moi qui te le dis. Attends, mais... Par contre, c'est cheaté, parce que quand je me prends une stalactite, du coup, je suis allongé, enfin, je suis couché, et du coup, il peut rien faire, en fait. C'est extrêmement drôle. Enfin, il peut me défoncer avec sa faux, mais il peut pas me... Enfin, sa faux. Je parle pas de la poétesse, évidemment. Casse-toi! T'es moche! Oula! Enfin, vous êtes très beau, monseigneur, mais là n'est pas la question! Oh, j'avais réussi à l'enchaîner, là. Ah, bâtard! Ok. Première fiole que j'arrive à lui mettre. Lui m'en a mis deux, hein, mais... Oh! Ok. Ouh! C'était violent. Ok, le gros problème, c'est surtout que ça va être les fioles, quoi. Pin, pin, parapapaparapapa. Ça se trouve, je vais rien gagner à l'avoir, hein. Mais en vrai, ça se discute, parce que du coup, j'acquiers quand même des petits réflexes, vous voyez. Genre, typiquement, les feintes, c'est pratique, soyons honnêtes. Si vraiment je galère trop, j'irai faire un autre truc, mais je vous avoue que bon... J'ai mis Files of Okai derrière, quand même. J'ai mis Files of Okai. Est-ce que je lui balancerai pas le pot explosif à la gueule, là, tout de suite? Vas-y, viens. Viens. Ouais, il s'incline, hein. Il est charmant. Ah! Non, il faut pas que je sois trop vénère. Ouais, bah, c'est sympa, ça. Hein. Vous accueillez toujours les gens comme ça? Oh. Ça picote. Je vais remonter le volume. Ça va, vous m'entendez encore, malgré la musique, ou... Ouais, hein. Un doigt crochet de sans éclat permet de laisser une marque dans le... Oui, ça je sais. Enfin, est-ce que je le sais vraiment? Je ne sais pas. Mais... Salut! On y retourne. Oula. J'avais fait un peu bugger le jeu, c'est pas grave. Yay! Allons-y. Quand même un grand saut, hein. Merci l'armure. La musique est pas si forte que ça. Ok, nickel. Pam, pam, pam. C'est bon, je vais placer les deux coups d'accueil.
Ouh, vous êtes bien véloce, mon cher. Ouais, tu me congèles. Moyennement envie d'être piqué là tout de suite. Ok. Ah c'est bon. Là, ça devrait être un peu plus fort normalement, mais. Pam 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 pam. J'aime énormément cette OST au cas où ce n'était pas assez évident. Hop, on y retourne encore une fois. Toujours aussi calme, toujours aussi adamantin finalement. On a réussi à quand même lui faire utiliser déjà une de ses fioles. Du coup, je suppose qu'il en a 3 vu qu'il est censé émuler un joueur. Enfin, 3 au mieux. 4 dans le pire des cas. C'est bon. Ça dégage. Wouh ! Je cherche la merde. Entre les projectiles et la longueur de sa faux, il a beaucoup plus de portée, donc essaie de bien lui coller au cul. Ouais, je sais, t'inquiète. Oh, oh non, non, là j'ai eu une chance. Là j'ai eu une chance, c'est scandaleux par contre. J'ai eu une chance, mais immonde. Personne n'a le droit de faire ça. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pour l'instant, je lui ai mis cher, il m'a rien mis. Oh je disais quoi? Ouh. Ouais, ouais, ouais. Et j'aurais quand même réussi à lui mettre un quart sans me faire toucher, donc en vrai c'est jouable. Mais en vrai il est jouable de ouf par contre. Hein. Enfin pour l'instant en tout cas. Par contre on est d'accord que personne ne peut m'envahir, enfin... Il faut activer un truc pour que les gens puissent t'envahir, genre ils ont pas le droit... Enfin ils peuvent pas t'envahir comme ça. N'est-ce pas? Sinon c'est insupportable, en fait. Hop, c'est bon. Ah! Ok, tout va bien. Désolé, c'est le crouch. Ça m'a mis mal. Ah! Ok, c'est bon. Je suis beaucoup trop avide, là. Avance! Ok. Oh, oh le coup sauté, mais monsieur, vous êtes dans la cuisine, maintenant? Oula, oula, je cherche la merde. C'est bon, c'est bon. Wouh, à la queue leu-leu. C'est mardi. Vas-y, vas-y, viens. Moi, je te vois. Hein. Oh, je cherche la merde. On a fait un choc tous les deux, là. C'était assez monstrueux. Potion, le temps qu'il fasse son truc. Ok, nickel. Je crois qu'il faut être en cop pour être envahi. Ok, c'est noté. Ok, bon, bah, nickel. Ça risque pas de m'arriver, alors. Tant mieux, hein, parce que soyons honnêtes. J'aurais des crises de panique si ça arrivait. Que moi je ne joue pas à ce jeu pour me faire tabasser par d'autres joueurs mais par les boss. Qu'est-ce qu'il m'envoie dans la gueule? Ah il essaye de me congelax. Ok c'est noté. Ah et putain c'est vrai que j'ai des sorts aussi mais je sais pas si je peux les utiliser. Je sais pas. Ok il est mid. Il est mid. Il est mid. Il va prendre une potion. Non. Regarde je suis en danger. Oh là là au secours. Je ne suis qu'une pauvre damoiselle en détresse. Hop. Ok, il m'envoie des stalactites. Une, deux, une, deux, une, deux. Ah ! Pardon. Après, même dans les autres formes soft, ça reste loin d'être commun. Ouais, ok. C'est bon. Il a une bonne gueule, par contre, hein. Midlife. Ça va. En vrai, ça va. Pam, 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 pam. J'ai zéro idée de ce que ça va débloquer si je le bute, par contre, qu'on soit bien d'accord. Peut-être un accès à cette porte. Ce serait chouette. Ton épée, elle a plus combien? Zéro. Zéro. Pour l'instant, je compte uniquement sur la dexte et la force. Même si, de ce que j'ai... Alors, j'ai un pote qui m'a dit que la dexte, c'était genre la pire compétence dans Elden Ring. Donc, écoute, quels sont tes pronostics? Quels sont tes pronostics, très cher Sad Puncher? Ok. Dans le dos là! Oh là là, monsieur! Vous êtes traître! Pire que le gouvernement actuel! Mais dis donc! On vénère Molag Bal, espèce d'enfoiré! Allez, c'est parti! Ah ouais! Wouh! Un très beau.
J'avance. M'en fous. J'avance sur mon... Je... Oh, j'étais dans son dos. Il est où? Derrière. Ok. Il va me lancer mes... Ok, les petites bidules. Ça se marie très bien avec l'arcane pour un build blade qui sont très forts. Que dalle, c'est un des plus forts. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Pour ça, je comprends pas pourquoi il me disait ça. Parce que j'étais en mode, mais j'ai les saignements. Oh putain, faudrait que je remette mon couteau en vrai. Ça pourrait être grave chiant. Vu que je me bats pas contre un... Oh! Sœur! Sœur! Ouais, faut que je remette mon couteau en fait maintenant que tu me le dises. C'est vrai ça? J'ai un couteau qui peut provoquer un saignement, faut que j'en profite. Je peux faire chier tout le monde avec. On va faire ça, on va faire ça. Voilà, là je suis morte, on va remettre le couteau. On va remettre le couteau, ça va être rigolo. J'avais complètement oublié, j'ai tellement l'habitude de l'épée, j'ai complètement oublié. C'est parti, on va partir au couteau. En plus je vais être encore plus chiante, je vais enchaîner encore plus les attaques là. Oh, je vais être casse-couille, ça va être trop bien. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Par contre j'ai moins de portée du coup, ça c'est le truc chiant. Attends, par contre je suis curieuse. Niveau dégâts, ça fait quoi? 75, 15... Ah ouais, ça fait moins mal quand même. Mais après j'ai le même taux de critique. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup du coup. Parce que c'est quoi mes taux de saignement? C'est 38. Du coup 38% me provoquer un saignement? Je sais pas. Je ne comprends pas. Touche du haut, gâchette droite pour porter l'arme à deux mains, ça fait plus de dégâts, tu n'utilises pas le bouclier à deux... Quoi? Attends, touche du haut, gâchette droite. Genre, comme ça? Non? Bon, je sais pas. Hop, on va y aller comme ça. T'as le couteau à deux mains, c'est ridicule par contre, mais... On verra bien. En vrai, le bouclier contre lui, ça peut être jouable. Vu qu'il a une bonne portée, mais... J'ai envie de le casser les couilles. Ok. Oh! Là, c'est plutôt lui qui va me les briser, en l'occurrence, mais... Vas-y, viens, 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 viens. Coup de couteau! Coup de couteau! Ok. Oh! Ouais. Non, dans les boutons A, B, X, Y. Ah, ok. D'accord. Moi, tu me mets gâchette droite, je pense direct à la gâchette, quoi. Donc, c'est terrible. Je rappelle que je suis une boumeuse. Allez, c'est parti. Genre, ça? Ça? Non, ça, c'est là. Oh, merde. Attends. Non, je me suis réenfilé un truc. Bon, là, on va se suicider, hein, globalement. Bon, ça change rien. J'ai cliqué sur tous les boutons, ça ne change rien. Bon, bon. Peut-être qu'après, vu que c'est un couteau, j'ai pas le droit de le porter à deux mains. Enfin, nous, ça me paraît très logique après, mais... Vas-y. Par contre, l'épée à deux mains, j'avoue que ça peut être bien. Si ça garde la même vitesse, ceci dit, mais... Je ne sais pas. Viens, 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 viens. Petit couteau. Petit couteau. Aucun honneur, aucun honneur. Le rat des égouts. Vraiment, je viens des égouts. Je vis dans les égouts. Ma passion, c'est la fange. Celui du bouton. X, Y, plus la gâchette. Bon, bah écoute, je réessayerai, hein, mais moi ça marchait pas, donc jusque là. Couteau, 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 couteau. C'est bon. Vas-y, la gâchette, la touche d'attaque légère. Ok, attends, je vais essayer. Vas-y, martyrise mon cadavre, je dirai rien. Je pense que je vais rester à l'épée en vrai. Parce que je pense pas que j'ai réussi à caler suffisamment de coups d'un coup pour provoquer un saignement, si c'est comme ça que ça marche. Ah, attends. Ok, ok, donc tu disais. X, Y, plus gâchette. Genre ça? Genre ça? Ça? Ouais, mais si je clique sur Y, je vais provoquer un truc. Ça marche pas, hein? Pour l'instant, je dépense juste mes trucs. Ah non, ça change rien, hein? Bon, on va y aller comme ça, hein? Je suis sûr que c'est une super idée. Allez. Allez, c'est parti! Bon, t'as quelle manette? Bah, une manette de fausse Switch. Je rappelle, j'ai une manette de fausse Switch vu que c'était celle qui était la moins chère. Viens là, Coco. Ouais, j'avouerais que épée à deux mains, ça peut être cool, là. Ok. Ouh. Bon, je mérite si je crève, hein, j'ai plus de potions, donc... Oh, c'était rigolo ça par contre. Au couteau ça aurait été drôle par exemple.
Ok, il va essayer de me congeler. Oak Witch. Witch. Tu m'appelles sorcière maintenant ? C'est mérité, hein ? Vas-y. Ok, cette fois j'aurai mes 4 potions. Parfait. Donc X, attaque légère. Ok. Bah, c'est ce que j'avais fait. Attends, on va essayer. Ça change absolument rien. Mais merci d'avoir... Sauf si t'as changé les boutons. Bah non. Non, moi j'ai rien touché, hein. J'ai laissé tel quel, je voulais pas y toucher, vu que, bah... Voilà. Après, je peux peut-être aller voir dans... Ouais, non, je vais pas aller voir tout de suite en plein combat, c'est peut-être pas une bonne idée. Hop! Vraiment une sale race, hein. En même temps, quoi en même temps? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, vas-y, moi je t'attends, hein. Ou pas. Oh, c'est bon, quelle esquive, mes aïeux. Ah, ah, c'est bon. Croix. C'est bon, je suis une grenouille. Go back to grenouille. Hey. Je le mettrais presque en difficulté, ce bâtard. Presque. Ah, ah, ah putain, la cinquième, je l'avais pas vu venir, par contre. Sois honnête. Recule. Pas la bonne distance. Ok. Faut appuyer en même temps. Au pire, il y a les tutos dans l'inventaire. Mais j'appuie en même temps. Ça, j'ai compris. C'est ce que je fais. Évidemment que j'appuie en même temps, enfin... Enfin, moi, ça me paraissait logique qu'il fallait appuyer en même temps, de toute façon. Oula. Bon, je suis encore morte. Mais c'est important que manip, ça peut donner jusqu'à 50% de dégâts en plus. Bah, moi, je veux bien, mais en tout cas, ça marche pas, hein. Donc, je vais check dans l'inventaire. On va voir dans l'inventaire, attends. Ils sont où les tutos? Nécessaire fabrication, manuel. Carte, parchemin de l'académie. C'est dans quoi? Ah, super, ça me fait mieux. Grand couteau, épée droite seigneuriale. Comment on fait? Changer affichage? Ça fait quoi ça? Ah! Compétence sur garde. Ouais. Ok, ça change rien. Aucune idée. Tout à droite. Genre. Là, à propos des sites de grâce, à propos de la grâce, à propos de la carte, bastion. Maniement des arbres! Ah! J'ai pas le droit d'utiliser? Comment ça, j'ai pas le droit d'utiliser? Ça va être pratique, ça. Ça va être bien pratique, ça, dis donc. C'est vachement pratique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Change d'affichage, droite. Carré sur PS. Attends. Genre, ça. Vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes. Ok, merci. Vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes à main, afin d'alterner. On peut une arme à deux mains pour augmenter. Alors. Y, R, R, B. Ah ouais. L, B, R, B, c'est lesquels? Attends. Je vais pas trop commenter, je dessine à côté. Ok, vas-y. Y, L, B, R, B. Ok, d'accord. C'est juste les gâchettes? Ouais, c'est juste les gâchettes. Moi, c'est L, Z, R, Z, mais ok. C'est pareil. Donc, RZ, Y, ok. Bon, j'espère que c'est ça, sinon merci, hein. Merci, ça change absolument rien. Bon, bah pareil, hein. Ça rend fou. Ça rend fou. Bon, en plus j'ai plus de potions, super. Bon, on va continuer comme ça, hein. Je veux dire, y a pas trop le choix. Mais attends, mais y'a vraiment pas moyen que je le fasse manuellement, genre via l'équipement, comme ça? Chiant. Chiant. Genre, on devrait pouvoir paramétrer directement ici, tu sais. Non, sur Switch, c'est juste L et R. Pas LZ ou RR. Attends. On va essayer avec ça. Non. Ça. Non, je l'avais déjà fait.
Y'a plus rien, y'a plus rien. Ça, y'a plus rien. Ok. Attends. Non. 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 Bon, bah voilà, je peux pas le faire, j'ai testé toutes les touches. Donc, bah je suppose que je ne pourrais tout simplement pas utiliser cette fonction. Voilà, voilà, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Oui, par contre, c'est vrai qu'il casse les couilles à inverser les touches, hein, très clairement. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai pas pris une manette de Xbox, parce que je déteste les manettes de Xbox. Je trouve les touches beaucoup trop dures. Et ça fait des années que j'ai pas touché à une manette. Mais comment c'est possible? Bah j'aimerais bien savoir, vois-tu. J'aimerais bien savoir. Parce que je t'avouerais que ça me pète un peu la tête aussi. Ou alors c'est ma manette qui est Space et qui a décidé que c'était une autre touche. Et ça, ce serait incroyable. C'est quoi? Vas-y, j'en suis là. Ok. Voyons voir. Ok. 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 Non. Alors avant, au point où j'en suis... ça change rien. Ok. Yes! Ça fait plaisir. On va le battre comme ça, hein. Je veux dire, on a commencé comme ça, on est bien arrivé. Par contre, je pense que je changerai de musique au bout de 20 minutes ou un truc comme ça. Ok, il se barre là-bas. Je génère toute ma truc. Tranquille. Ah non, non, mais j'ai bien suivi ta conseil, hein, t'inquiète. J'ai bien fait, hein, donc... Ou alors, c'est pas en même temps. Genre, il y a peut-être un décalage. Oh, ouais, putain, il défonce. Ah, peut-être à cause du mode sans attaque près de la table. Ah, peut-être, ouais, pas bête. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse rapidement dans l'arène, par contre. C'est ça, le problème. Mais ouais, c'est possible, ça, par contre. T'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Bah non, parce que je peux changer d'arme. Ça n'a aucun sens. Je peux changer d'arme. Bon, on va essayer quand même, hein. Je veux dire, ça coûte rien d'essayer, mais ce serait totalement con. Ok. Genre, nous disions. Ça. Ah non, ça c'est la bibine. Ça. Non, c'est la bibine. Ça. Voilà. Ok. C'est bon. C'était effectivement ça. Bien, ouais, j'ai, hein. Voilà. Bien joué. J'ai enfin une épée à deux mains. Allez, vas-y, viens. Viens. Bon, j'ai plus que deux potions. J'ai combien de potions encore? J'ai l'impression d'être plus lente, mais c'est pas possible, en fait. Ça n'aurait... L'esquive! L'esquive était honteuse, hein, par contre. Bah, ça va me changer la vie d'avoir une arme à deux mains, par contre. J'ai l'air très conne, mais... Genre, je sais pas, je trouve que ça n'a... Les armes à deux mains, moi, ça me dégoûte. Je trouve ça esthétiquement pas plaisant. Voilà. Vous pouvez me cancel, mais je dis les faits. Et les faits, c'est que... Par contre, j'ai l'impression de lui faire que dalle comme dégâts comparé à avant. Oula! Alors que, bah, stratégiquement, je lui en fais plus, hein. Ok, c'est la congèle. Les stalactites. Ça va, tu t'épuises? Ouais, moi, c'est plutôt moi qui vais crever, là. Voilà. C'est bon! Tu congèles là que c'est mort en prime. Je vais changer de musique. Permettez? J'ai quoi comme bonne zik? Parce que Files of Okai, c'est bien, mais... c'est laquelle de musique que je mettais, moi? Attendez. Vraiment, j'ai une bonne musique, là. Bonne grosse musique. C'est un truc qui va pas me faire défoncer par YouTube, par contre, mais sinon, on est bien. Tendai. Je vais peut-être pas mettre de la techno non plus, mais... Putain, mais je suis certaine que j'avais une bonne OST, là. Casse la tête. Le fait que ça donne plus de force, ça permet de porter des armes beaucoup plus lourdes dans les moments que 2-3... Ah, oui, pas vrai. Pas bête, pas bête, j'avoue. Pas bête, pas bête. Putain, mais je suis certaine que j'avais récupéré une OST un dingue, là. Fuck! C'était quoi? Merde! Marde! Ça m'emmerde un peu, je vais pas vous mentir. Que ça me les brise un peu. Ah, attends! Non, je vais pas mettre ça. C'est pas ouf. Putain, mais je la retrouve pas, je sais plus c'est quoi, ça m'énerve. Je suis une RH24. Parce que bon, j'aime beaucoup cette OST, là n'est pas le problème, mais quand même. Ça fait une demi-heure déjà. Ça fait déjà une demi-heure, quoi. Oui. D
Cure, non. The Untamed, c'est pas ça. Tiangong's Fu. Firewitch, elle est bien, mais c'est pas ça. Merde! Vous êtes économiste des niveaux. Ouais. Putain, ça me saoule. Ça va vraiment m'énerver cette histoire par contre. Putain, mais c'était quoi? OMG! Casse la tête! Putain, ça m'emmerde ça par contre. Ça m'emmerde vraiment par contre. Army of Tigers, non, Army of Tigers c'est pour autre chose. On va pas mettre ça. Mais merde! On a un chien. On a Xieng. Bloodstream, c'est certainement pas ça. C'est pas du Castlevania, mais c'est quoi? Yo. Je veux dire, dans le pire des cas, je peux mettre Zalkroa, mais. Je peux mettre Zalkroa, c'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça, hein, stratégiquement. En vrai, je pense que je vais faire ça parce que j'arrive pas à retrouver celle que je voulais, que j'avais en tête. Du coup, bah, c'est dommage. Hein, c'est un peu bête. On va mettre Zalkroa. Allez. Elle est légèrement plus forte. Vous me direz si c'est trop fort. J'entends le truc. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'y ai pensé avant de lancer le stream et j'ai oublié entre temps. Je sais même plus ce que je voulais mettre. Genre, c'est même pas que j'ai la mélodie, c'est que je sais plus du tout. Ça m'arrive tout le temps et c'est très chiant et j'en ai marre et j'ai envie de m'éclater le crâne. Bon, au moins on a ça. Tu me diras juste si le niveau de la musique est pas trop fort. Demain, on fera du Oblivion, ce sera déjà plus facile. Hein. Allez. Viens là, Albéric. Ah, mon beau. Ok, ça dégage. Zalkroa, il y a moyen que ça passe parce qu'elle est quand même un peu épique. Enfin, le début est calme, mais c'est normal, t'inquiète. Du relais de vouloir se frapper le visage. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Hé hey. Moi, j'ai touché. Ouais. Allez. Cinquième. Oh, deux coups quand même, il nique avec deux coups. Je pense que je me suis repris le debuff de vie, hein, très honnêtement. Je pense. Scarabée, l'art moyen. D'accord. On me dirait juste si c'est pas trop fort. Parce que ça devient vénère à un moment. Allez. C'est parti. Viens là! Hunar! Oh, oh oui! C'était gratuit! C'était gratos. Aou! Ça, c'était gratuit aussi. Je sais pas combien je l'ai mis. Allez, vas-y. Allez, bon, on va arriver pour la partie épique, c'est cool. Ça fait plaisir, on se sent aimé. Normalement, elle est pas copyrightée, celle-là. Viens. Oh, pardon, ça m'a fait un peu trop rire. Ouais, ça m'a fait moins rire, bizarrement. Ah, j'ai lu ton message pendant le combat, c'était pas une bonne idée. Essaye de pas trop attaquer après qu'il est roll, tu fais souvent deux attaques dans le vide, il a plus le temps d'esquiver. Ouais, c'est possible. Essaye de pas trop attaquer après qu'il est roll. Bon, je vais essayer. Non, s'accroupir. Je pense que je vais faire encore quelques essais, après je vais arrêter parce que ça devient juste chiant en fait. Enfin, c'est même pas que c'est chiant parce que c'est pas frustrant. Mais c'est juste, bon, perdre son temps moyen, quoi. Hop. Au fur et à mesure. Comme ça, on booste un peu notre équipement, ça ira plus vite, enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est un peu frustrant de pas l'enchaîner, quoi, mais bon. Ouais,
Zorro. Boueja. Allez, viens, viens, viens. Ok, stalactites. Je dis que c'est des stalactites alors que c'en est peut-être pas du tout, hein. Non. C'est bon. Esquive. Non. Ah, je pensais que j'avais réussi à lui mettre un coup là, mais soit. Ce n'est pas grave. Allons-y. J'ai pas l'impression qu'on, enfin, que j'ai réussi à aller plus loin que tout à l'heure, cela étant dit, même en lui mettant plus de dégâts, donc on verra bien. Techniquement, si j'ai réussi à le midlife une fois, sachant que je fais le double des dégâts, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Esquive. Ok. Ouh, bah là, c'est un peu grillé. Effectivement. Il faudra une musique qui vraiment me motive, parce que là, je m'en bats les couilles, en fait. Coutienne, non. Elle aussi. J'ai vraiment rien. Je suis certaine qu'il y en a une, c'est quoi? OMG! Putain, c'est quoi? Je vais péter les plombs. J'ai envie de m'ouvrir le crâne, là. Putain, en plus ça va être chiant. Ah, c'était peut-être Infinite Power. C'était peut-être Infinite Power, attends. Je sais même pas si je l'ai. Est-ce que je l'ai? Ah oui, je l'ai, j'ai rien dit. Bon, du coup c'est pas la plus c'est pas celle qui colle le plus à Elden Ring. Mais bon, ça va, j'ai pas mis de la techno non plus, hein. Hop. Allez, c'est parti. Puis ça évitera que je chante aussi. Rappelle que j'ai 0-1, re-1, bref. Je perds tous mes brainstorms, c'est terrible. Hé hey. D'où? Mais non, mais crouch pas, espèce de conne. Bois, et je bois. Roulade! Ok. Oui, bon, les stalactites, on a compris. T'aimes bien les stalactites? Roulade! Il faut que je fasse gaffe à sa barre de vie aussi. Je sais pas où j'en suis. Allez, c'est parti! En vrai, je suis un peu morte intérieurement là. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si ça s'entend. Locon affiche la barre en permanence. Ah, tu. Ah, ok. Ouais, mais après, le Locon est chiant au niveau de la caméra. Vas-y. Hé, hey, oh! Par ici! Ok. Ok. Mais putain, mais arrête de crouch, sale conne! Merci. Il est là. Oh putain, on est terrible, hein. Allez, c'est parti. Don't lock on, vite fait, si tu veux le check, mais c'est, pas, c'est bien de pas jouer 100% lock. Ah, j'avais pas vu qu'il me restait de la vie, tiens. Ouais, mais c'est prévu, du coup. Je pense qu'on va vraiment juste faire de temps en temps le lock. Allez, j'y parti. Ouais, on le sait encore une fois, et puis après je laisse tomber, je pense. Parce que bon, passer 2 heures sur un boss, je t'avoue que c'est pas trop ma passion, quoi. Enfin, si j'y arrive au bout, c'est cool, mais bon, bof. Voilà, c'est 2 heures de ma vie qui seront parties en fumée, quoi. Putain, ça me donne envie de pleurer. Allez. Ah, j'avais jamais capté qu'il y avait de la brune, tiens. Eh bien. Par ici!
Bon, ouais, pas grand chose, hein. Pourquoi t'essayes de me congeler l'axe? C'est pas très sympa, j'ai pas envie de devenir picard. Ouais, bon, c'est bon. On va laisser tomber, ça dégage, c'est chiant. Hop là. Vous remarquerez que je rage plus sur Outer Wilds que sur Elden Ring, cela étant dit. Ah, briser la posture. Comment on fait pour sortir déjà? Attends. Il suffit juste que je me TP, on est d'accord. T'appelles la grâce, nécrolimbe. Ah ouais, nice. On va faire ça. Non, par ici, on est d'accord que je peux pas trop explorer, je crois. Suite de la chaussée de Lyurnia. Je veux dire, ça peut avoir le coup d'explorer. Quand il y a un combo qui one-shot, ça devient vite relou, ouais. Bof. Ouais. C'est parti. J'augmente le son du jeu, par contre, parce que le jeu est pas... Enfin, si, je crois qu'il est fort, mais... Comparé à Infinite Power, c'est moins fort. Je sais plus. Ouais, un peu quand même. Voilà. Je suis allée par où, moi? Je suis allée par là? Ici. Ah oui, il y a les connards, c'est vrai. Il y a les connards avec leurs bras, là. Qui sont cursed de ouf. Ouais, t'es allée à Lyurna, je croyais que c'était bloc derrière le boss. Bah, je sais pas, moi, j'y suis allée. Moi, j'ai vu qu'on pouvait y aller, j'y suis allée, hein. Mais ouais, non, c'est peut-être un peu encore hardcore pour moi, Lyurnia. On va peut-être pas y aller maintenant, hein. Peut-être encore un peu hardcore. Ah non, c'est ça, le crouch. Hop. On va peut-être pas y aller, hein. On va aller de l'autre côté, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pas de ces portes-là, mais... Enfin... L'Est! Merde! L'Est du monde! Vas-y. En plus, il y a les connards, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Il me manque presque. Salut les connards, bon. Il vaut vraiment pas si je fais ça? Oh oui! C'est puissant! Oh, attends, je vais mettre un multiplicateur de runes. Je suis pas là! Je suis pas là! Oh, attends. Ah, je peux pas aller sous le coffre. Bah alors, mon gros? Tu m'as oublié? T'es allé au château de Stormhell? Je crois pas, je suis même pas sûre de savoir c'est lequel. Ah, voit l'orage! Mais je crois que j'ai. Attends. Si c'est celui auquel je pense, je crois que j'ai essayé d'y aller, mais j'ai pas compris. Attends. Cabane de Valorage. Attends. Il est où déjà? Fallait surplombant le lac. Sud de la chaussée. Je sais plus où il est, mais je crois que j'ai essayé d'aller dans un château, sauf que bah c'était. Enfin, c'était bizarre, je sais pas. Genre j'étais Keblo, enfin je sais pas trop. Pour obtenir des runes. Obtenir de runes. Ah non, mais il n'y a pas de multiplicateur. Je croyais qu'il y avait un multiplicateur. Il y avait un truc qui permet de multiplier les runes. J'ai dû fumer. J'ai dû fumer. Matériaux de renforcement. Les lames de pierre, globe oculaire jaunâtre, peau fissurée. Bah bon, bref. Attends, suivant le rayon de lumière depuis le site de grâce de la cabane de Valorage, bah je crois, hein. Attends. On va faire ça. Bon, on va pas faire ça du coup. On va juste niquer des mecs. Pour une fois que je le ferai dans ma vie. Putain, la musique qui crache. Quel enfer. Oh, il est là, lui. Oh, il faut que je fasse gaffe, il a un. Il faut que je le OS, lui. Le rayon de lumière des sites indique la direction de la suite du jeu. Oui, oui, je sais. Allez. Y a pas de mouvement dans les buissons. Je suis une touffe. C'est bon. Un crime parfaitement exécuté. Oui, bizarre lui. Ok. Je joue l'infiltration, évidemment. Ok. Excellentissime le mec. J'ai vu quelque chose bouger dans les forêts. En fait, non. Ah ouais, lui... Oh, lui, il est bien équipé, lui. Lui, il est bien équipé. Un peu trop bien équipé, même, si tu veux mon avis. On voit, lui. Ou il est trop con. Je crois qu'il est trop con. Ah, mais ils ont des loups.
Ils ont des loups. Et les loups, c'est chiant. Oh ouais, lui, attends. Oh, je vais l'emmerder, je vais lui casser la tête, attends. Je vais lui balancer une bombe à la gueule. Mais non, parce que si je... Ouais, mais si, mais j'ai envie. On va faire ça. Ah, il m'a vu. Non? Tu... Si, il m'a vu. Pardon. Ok. Oula. Oh non, il va m'embrochax par contre, lui. Oh, il va me défoncer. Oh ouais, non, il va m'exploser par contre. Ah merde, je suis focus. Faut pas que je focus. Putain. On va peut-être pas le tenter, lui, il est chiant. Mais il a un joli casque, il a un joli casque. Très jolie lame aussi. Effigie de Marika, ouais. Vas-y, elle me ramène où? Non, mais non, j'aurais pu me ramener au site de grâce, en fait, maintenant que j'y pense. Ça aurait été la même chose. Bon. On va faire ça. Par contre, faut que je fasse gaffe aux chauves-souris. Aux chauves-souris. On va passer en discret, hein. Faut que ça va foutre. Allez, allez. Oh merde, je l'avais pas vu lui. Lui non plus il m'a pas vu visiblement. Par contre, il y a des loups, non? Oula. Oh! Dégage! Je suis pas là! Je suis pas là! Là, 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 là! Ah, lui m'a vu par contre. Ils m'ont bien vu, hein. Il n'y a rien ici visiblement. Je l'ai fait bugger! Oh non, c'était drôle! Au secours, OMG! Je vais aller récupérer mes runes. Permettez. Ah, mais il y a un site de grâce ici, je peux leur casser la tête. C'est bon, ils m'ont vu? Ouais, il m'a vu. Bon, lui, il est juste chiant par contre. Bouclier de merde. Bouclier de marde. Recule! C'est bon. Si je galère trop, je me casse, hein. On se met d'accord. Oh, l'autre, il voit que son poteau, il est parti. Mais il s'en bat la race. Il s'en bat la raie, j'ai jamais vu ça. Tranquille, quoi. Vas-y, viens, 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 viens. Oh! Je cherche la merde. Je suis à ta portée là, hein. Ah putain. Ils sont chiants les ennemis avec un bouclier. En plus ils sont moches. Pardon. C'était gratos. C'est vraiment... quand je vais insulter quelqu'un, je dis qu'il est moche. Ça sert à rien. Mais c'est pas trop trop méchant. Genre c'est pas le truc le plus méchant que tu puisses dire, tu vois. Vu que c'est subjectif et tout. Tiens tes talons. Le talon d'Achille. Voilà. T'as pas de matos? Connard! Je déteste les capitalistes. Allez, c'est parti. Ouh. Ça, c'est fait. Je suis à combien de runes? Oh, ça valait bien le coup, tiens. Bon. Oh, il y a un connard à cheval. Je vais peut-être éviter de lui... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Ça pue l'arnaque, j'ai envie d'y aller. Hop! Allons-y. Ouais. Mort-vivant? Je vais récupérer des fleurs du monde, hein. Hein? Il y a des épées, d'accord. C'est un cimetière? Ah, il y a un truc ici. Godric le Doré, humilié, a goûté à la défaite face à la lame de Mikaela. Désormais à genoux, il implore la pitié. Ah. D'accord, donc Godric il s'est fait recte par Mikaela. Très bien. C'est chouette. Hommage à Berserk. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il y avait le délire de l'hommage à Berserk, c'est vrai. Faudrait que je vous le dise d'ailleurs.
J'ai la putain de flemme, mais faudrait que je lise. Hop. Hop. Alors, il y a quoi d'autre là-bas? Une grande tour. J'aime bien les grandes tours. Peut-être pas trop que je m'aventure quand même ici, hein. Au cas où. C'est quoi ça? Ah, c'est les... Oula! Ils sont bien nombreux, j'apprécie pas ça. Oh, ils ont l'air vraiment casse-couilles. Je vais pas aller vers eux. Il est dur, mais il est bien. Le manga, tu veux dire? Bof. Je verrai, hein. Je me ferai mon propre avis, pas trop de doute là-dessus, je pense. Ok, une effigie de Marika ici, fort bien. Bien planqué dans la nature, bien planqué dans les buissons, dans la broussaille. Y a plus de route, j'ai paumé la route. Sur ma route, oui. Je sais pas où je vais. De toute façon, à tout moment, je peux faire demi-tour, donc c'est pas trop un problème. Oh! Nice. Ah! C'est une simple route en bas? C'est quoi ça? C'est des morbacs? On peut descendre par là? Ah, il y a un pont là! Let's go! Oh, le ravin des enfoirés de dev! Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention, gel éternel! Où ça? De qui? Hein? Où ça? Ils sont où? Il est où? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais je le vois pas. Mais j'essaye de te voir, mais je suis aveugle! Je suis myope, connard! Il y a pas de lunettes dans Elden Ring! T'es où? Attends, j'essaie de me rapprocher de ta voix, mais... T'es où? Il est où? Putain! Ah, c'est lui? Ah non, c'est une chèvre. Merde! Il est où? Il est pas. Mais moi, je veux bien, mais je te vois pas, connard! Il est clairement par là, hein. C'est peut-être ça? C'est quoi ça? Mais t'es où? Je vais te soulever surtout! Il est où ce trou duc? Il va falloir que je décime toutes les chefs de la région pour pouvoir le trouver! N'hésite pas, par contre, là, tu vois. Je l'entends très clairement, là. Il est dans le bois, là. Attends, je vais niquer les chèvres. Je pourrais te repérer après. C'est un peu facile. Ça me fume, il est juste là. Mais moi, je le vois pas! T'es dans le buisson? T'es dans les buissons pour te protéger? C'est logique, hein? Attends. Vas-y, j'ai activé la torche. T'es où? Mais je te cherche! Ferme ta gueule! Attends. Bon, ça, c'est juste le crâne. Pourquoi y a pas un truc qui te permet de détecter le PNJ? Faut roll ou attaquer pour déclencher le truc. Bah, vas-y. Bah, voilà, j'attaque! Ah, il y a un truc. Ouais. Bah, je roll. Regarde, je roll. Il y a un champi. Faut le faire au bon endroit d'où la voit bien. Ah, ok. Ok. Attends.
Elle est où sa voix? Elle est où ta voix? Eh oh! Vas-y, parle! Ici? Viens, non? Faire le tour jusqu'à ce qu'il me parle. Vas-y. Yo! Ah oui, je m'en souviens. Un rustre m'a transformé en arbre. Vous essayez de briser le maléfice, pas vrai? Merci, je m'appelle Bok. On m'a exclu de la grotte après m'avoir ordonné de jamais revenir. J'ai ensuite été transformé en arbre. J'ai vraiment de la chance que vous soyez là. Oh, quel dommage! Lorsqu'ils m'ont éclu de la grotte, ils ont gardé toutes mes possessions. Il ne me reste donc que cela pour vous exprimer ma gratitude. J'espère que vous saurez me pardonner. Bon, c'est bien aussi des champignons. Sinon, si vous pouvez vous permettre d'attendre, je pourrais m'infiltrer dans la grotte et rapporter un objet de valeur. Après cela, je pense que je pourrais vous être vraiment utile. Oui, t'inquiète, on fera ça. Bon bah ça valait le coup. Par contre, oui, j'aurais jamais pensé à taper l'arbre, hein, très honnêtement. Donc merci du backseat, effectivement. Putain, mais pourquoi elles font des roulades? Et salut Kyrose, bienvenue. Bon, on va faire un truc secondaire. Voilà, quand je dis que je suis nul au jeu vidéo, hein, c'est terrible. Tant pis. Monkey. C'est vrai. Qui c'est qui est autour du feu là? C'est un connard? Ouais, c'est un connard. Attends qu'il passe, parce que j'ai pas envie de me friter avec. Attends, c'est un esprit ça? Ils sont beaucoup quand même. Non. Allez, From Software, faut taper pour défaire les illusions. D'accord. Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure façon de découvrir alors ça. Ah non, c'est juste un message en fait. Non, il y a clairement un truc. Attends. Carreau. Dague. Ah, merci. Finally. Ok, je retiens. Ok, ok. Oh, ça pue le marais empoisonné de ouf, ça. Oh, je veux pas y aller! J'en ai marre, respectez ma thalassophobie, non, un chien! Oh, lui, il a l'air juste chiant, en fait. Je vais rester dans mes herbes. Ou alors, je l'attaque par derrière. Oh, ouais, je vais faire ça. Hop là, le cheval. Son cheval, il est plus beau que le mien. C'est pas juste. Moi aussi, je veux un beau cheval. Mon cheval, il est miteux. À la limite, tu vois, un cheval morbac, j'aurais bien aimé. Limite. Oh, ok, non, il va me niquer ma race. Ok. Oh, il peut me piétiner. Intéressant. Ok, il m'a niqué. Il va kill. Ouais. Oh, mais on était à ça, en vrai. Hein. On était à ça. Effigie de Marika. Bon, ça va, j'ai récupéré les cendres. C'est bon. Ouais, ça va. Ok. Ah ouais, ça me fait revenir ici. Ok. Là, c'est pas du tout dangereux. Je l'avais call. Oui, non, mais après, c'est normal. Forcément, c'est la première... Je sais pas si c'est pas la première fois que je bats un ennemi comme ça, d'ailleurs. Je crois, hein. Bon. Oh, la longue portée, quelle délice. Mes aïeux. Ok. Discretos. On récupère les ruines et puis on va se barrer, hein. Et je vais prendre le cheval. Enfin, bref. On va faire ça. Pierre de forge, parfait. Grouillons-nous.
On y va. Ce sera plus pratique comme ça, mon coco. Oh. Wow. Ah mais si, mais je l'ai déjà vu cette scène. Il y a plein de gens qui ont mal fini dans ce truc. Oh non, c'était drôle ce qui se passait. Oh non, et pas eux en plus. Cassez-vous. Oh bah oui, je me fais piétiner. Ok, donc il faut que je reste quand même relativement éloignée pour pas que cela vienne me casser la tête. Mais du coup, j'ai plus en plus de runes, en fait. C'est un bon bail. Vu que je bute ce du début aussi, plus ça va, plus j'ai de runes. Quand je sortirai de ce machin, j'aurai masse de runes, ce sera trop bien. Allez. Oh, des fleurs. Des fleurs. Hop. On va en profiter pour défoncer cela, comme d'habitude. Salut. Par contre, j'espère que ça reset pas le PNJ. C'est bon, t'arrêtes de casser la tête. Ah, des gantelets de fantassin. C'est peut-être mieux que ce que j'ai, attends. Inventaire. Non. Équipement. Gantelets des soldats de Roderick. Ah bah non. En fait, non. Ah là là. Voilà, très bien. On va récupérer le cheval. Le cheval, je le trouvais trop beau. Le cheval d'aller au galop. C'est parti. On va taper un sprint. They don't see me. Je me casse. Ok, il n'y en a qu'un. Un seul. Ah non, il y en a là-bas aussi. Merde, attends. Je l'ai emmené dans une zone où il n'y a personne. Oh non, finalement, il a décidé. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, il est en train de péter les plombs. Non, c'est bon. Parfait. On va descendre du cheval. Et on va s'en prendre à ceux-là. Ah ouais, il y a un bataillon. Oh non, lui, il a une arbalète. Il va être casse-tête. Non, pas casse-tex, évidemment. Oh non, je veux pas m'attaquer à eux, finalement. Oh non, il y a un géant. Il y a deux géants. Quoi? Parce que ça suffisait pas, visiblement. Ils sont en train de trimballer un truc, hein? Qu'est-ce que foutez? Et ok, Godric s'est fait latter la tête par Michaela, c'est ça qu'il faut revenir. Alors, nous disons. Joli arbre, hein? Joli... Oh, des chouettes! Désolé! Hop! Deux géants qu'on voit exceptionnels, ouais, plutôt. Peut-être une personne? Je sais pas. Hey! C'est une belle journée pour regarder l'arbre, hein? Ouais, je trouve aussi. Ô jeune pousse, rejeton de l'or glorieux, ta larme de cristal est-elle arrivée à maturité? Étrange. Désolé! Au travail. Ah, y'a un connard là-bas, j'ai envie de lui faire du mal. Je vais lui péter les rotules. Je vais lui péter les rotules et le balancer sur les géants. C'est des champis? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a l'air vivant. J'aime pas trop ça. On va aller voir, mais... Oh, il a une corne! Faut pas que je déconne. Ah mais non, mais il y a deux fantassins devant lui! Attends, comment faire? Ah, ils m'ont vu. Je suis derrière un rocher, je suis le rocher. Je suis un caillou. Go back to the caillou. Ouais, ils m'ont clairement vu. Bon, tant que l'autre m'a pas vu, c'est le plus important, c'est lui qui a la corne. Roulade! Ok. Hey! Oh! T'aimes pas les fleurs et le poison? Alors si, mais pas quand c'est sur ma gueule. Ok, lui... Oh! Si je peux le pousser dans le vide! Oh oui! Attendez. Un truc à pérave dans le fond, hein. Après, il y a... Ah ouais, non, je vais peut-être pas faire ça, hein. Oh. Ah voilà, c'est les pattes de volaille qui me permettent de multiplier les runes, je crois. C'est ça. On ira voir le château de Voilorage après. Mais il y a clairement une bestiole, là. C'est quoi, ça? C'est une mutation? C'est un boss?
C'est une créature pas très amicale, visiblement. C'est quoi cette merde? Elle m'a vu? Ça va, elle bouge pas, elle. Ah, mais il y a un objet en haut! Merde. Ouais, elle m'a clairement vu. Bon, c'est pas grave, je peux escalader ici, non? Ça se fait? Sans qu'elle me voie. Ah, c'est déjà plus fourni en végétation ici, j'aime bien. Inventaire! Sifflet de destrier spectral. Je sais combien de runes, tiens. Oh, 1300! Pas dégueu! Destrat Elder Scrolls, hein, tu montes, même si t'es pas censé y aller. Oh, attends, je peux peut-être me faire des flèches pour la sniper d'en haut, en vrai. Toujours utiliser les pires strats, c'est celle qui... D'accord, Boostiflor. Nous disons. Ah. Ah, parfait. Nickel. Coton doux, swimming fort. Pardon. Remettre des droits crochus. Ok. Nous disions. Inventaire. Non. Équipement. Les flèches en os, bah j'en ai plus, donc ça va être compliqué. Les carreaux, j'en ai pas, donc ça dégage. Les fléchettes en os, j'en ai. Le pour incendiaire, j'en ai. Nickel. Oh, oui. Attends, je vais peut-être descendre du cheval en vrai. Je vais peut-être descendre du cheval. Ah, elle est en train de bugger, je crois. Je ne suis pas là. I'm not there. Mais il y a des petites fleurs aussi. Du coup, je suppose qu'elles sont moins cruelles que la maman. Mais tout de même. Hein? Ah, ça va prendre un moment. Hein. Oh, dégage! Non! Tombe pas! Ok. Et je pourrais peut-être lui... Ok, elle va faire les gaz, là. Merci madame, mais j'apprécie pas. Attends, mais vraiment, genre je suis tout en haut, c'est la meilleure strat. Désolée, ça me fait trop rire, je suis trop une connasse. Ok, j'en ai plus. Mais j'ai multiplié les dégâts de ouf par contre. Ok, ça va. Ça va, vous appréciez mon mode de jeu? Moi j'aime beaucoup hein, ce qui se passe, si jamais. Chien! Ah oui! Ah mais elle est clairement en feu, mais je l'ai clairement foutu on fire! C'est excellentissime ce qui s'est passé par contre. Attends, je l'ai buté? Non, je l'ai pas buté. Recule! Ok. Ça va, je suis loin. C'est excellentissime ce qui est en train de se passer. Combien de temps pour que le poison se disperse? Un moment quand même, hein. C'est bon, t'as fini tes conneries? Je vais pouvoir y aller? Ça fait chier que j'ai pas de flèche. Fonce, cocotte, fonce. Ah, les petites, elles avancent par contre. Run. Ah, elles sont derrière moi, ok. Allez. Ah mais il y a les petites qui m'envoient du poison à la gueule aussi. Venez près de moi, petite. Ah ouais, venez les petites. 35 heures en moyenne, 35 heures. De quoi 35 heures? C'est-à-dire 35 heures. Ah oui, genre, ok. Genre ça met très longtemps, oui. Non, il y a des jolis petits éclats. Vas-y, non, les petites fleurs qui se rapprochent, c'est un bon bail en vrai. Tiens, je bute tes gosses devant toi, connasse! Ah! Ça, c'est joli par contre. C'est joli, mais c'est pas très agréable si je puis me permettre. Ah! Poison! Ok. J'ai pas un... Non, j'ai pas de truc qui me guérit de l'empoisonnement. C'est bon. Tant que je subis pas un truc en plus, ça devrait aller. Ah, elle se précipite vers moi, cette connasse. Vas-y, viens.
grosse connasse. Essayez feu. Ouais, j'ai testé, ça marche effectivement. Casse-toi! Oula là 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 là. Ok. C'est pas un des pires ennemis pour l'instant, hein. Pour l'instant. Faut que je bute la plus grande. Dégage! Ok. Mais son poison, il fait quoi, en fait? Parce que j'ai pas l'impression qu'il me fasse du dégât de ouf, en fait. Du coup, ça me perturbe. Pour l'instant, ça va. Il y en a beaucoup, des plantes comme ça, dans le jeu? Tiens, je bute ta gosse aussi, au passage. Run! Ok. Ah, une ruine dorée, c'est sympathique. Et c'est tout? Viande séchée immunisante. Ah, Viperia, poudre de Miranda. C'est tout! Pardon. Un petit peu énervé. Ok, mais il y a une autre connasse, là. Regardez-la, la petite. Il dit quoi, lui? Objet en vue? Ouais. Il en reste une. J'ai buté ta daronne, ça te suffit pas? Cactusso. Cactusso planto. Elle est décédée. Ah, il y a un truc ici. Je suis allée ici? Oui, c'est de là d'où je viens. Dommage. JJ! Enfin, moi, je suis contente. J'ai buté un ennemi nouveau que je ne connaissais pas. C'était stratégique. C'était très délicat de ma part, je trouve. Ah, c'était juste une tache de sang. Okay. Bon, il n'y a rien. Après, je pense pas que ce soit un des ennemis les plus dangereux du jeu, qu'on soit honnête. Ah, chic. Oh, je vous avais pas vu celle-là. Oh! Oh, connasse! Ah, je suis empoisonnée sévère, là. Ouh, c'est bon. Hein? Ok. Cette fois, je me suis fait avoir comme une bleue. Ok. C'est un jardin de fleurs... C'est un trou de verdure dans lequel on se perd. Ok, j'ai niqué tout ce qu'il y avait, hein. On dirait bien. Tu as combien de runes? 1672. Ou 1672, devrais-je dire. Ah, le problème, c'est qu'il faut mieux que j'attende que l'empoisonnement se dissipe avant de me TP, je suppose. Parce que je suppose que ça peut faire bugger et du coup, genre... J'ai vraiment pas de fabrication d'objets qui me permettent de... Vraiment? Ça me surprend. Putain, c'est hardcore. Ok. Désolé. Ou alors il faudrait que je trouve un autre site de grâce parce que ça me régène effectivement. Putain, pourquoi il y a... Il y a des loups. Ah non, j'ai pas besoin de loups là. Attends, il y a des cendres ici. Ah non, c'est pas des cendres, c'est juste une fourmax. Il existe des scarabées larmoyants pourpres, serre-lui, hein. Terrez la scellée pour remplir la fiole. Oh, ok. Soit. C'est chouette. Ah, il y a une effigie? Non, c'est pas une effigie. Merde, c'est un crâne. Pourquoi tu supposes tout ça? Supposer, hein? Par rapport au fait que je peux pas me téléporter parce que ça me compte comme si j'allais me buter? Parce que j'ai pas envie de perdre mes 1600 runes, là. Enfin, j'ai la flemme de refaire tout le chemin, en fait. Un peu. Ouais, mais non, mais j'aurai jamais assez de fioles, en fait. Ouais, elle est doucement. Hein. Ah non, ça m'a régène toutes mes fioles, c'est bon. Ok, non, c'est bon. On devrait réussir à aller loin. Go for it, kid. Ok. Là-bas, c'est... C'est de là-bas que je viens. Attends, il y a le pied de l'arbre monde ici? Ah bon? Ah bon? Il y a le pied là-bas aussi, ceci, mais... Enfin, forcément, il y en a plusieurs, mais... Ah mais attends, mais je suis déjà venue ici. Choto. Non. Bah non, en fait. Par contre, ça pullule de loup.
Okay. Ah, la fiole change d'apparence à chaque fois que j'en prends une, c'est cool. Mais c'est pas ici qu'il y a les... Qu'il y a les scarabées qui... Enfin, les vers bizarres qui explosent. Non, c'est pas ici, c'est juste la même gueule. Ok. Parce que logique, hein, c'est la même architecture. Ah merde, le loup m'a vu. Oh, c'est pas le moment. Oh, j'ai la flemme. Non, frérot, j'ai la flemme, t'es cringe. Hop, je récupère des ruines de rien. Vous m'en voudrez pas. Hop là. Bon, ils m'ont laissé tomber, visible. Tant mieux, hein. Pas m'en plaindre. Je suis jamais passée par là-bas. Ça me surprend, ça. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah non, non, je suis pas passée là. Il y a le marécage chelou, là. Il y a le marécage chelou. Bon, il nous reste environ une demi-heure de live. Je sais pas si on a avancé ou pas, en vrai. Oh, il y a un troupeau de chèvres. Je vais les priver de leur, alimentation. Pire connasse de France. Ah, on peut descendre par ici. Intéressant. T'inquiète pas que je vais me régaler là. Besoin d'os. Faut que je fasse un stock après avoir attaqué l'autre là. C'est quoi ça? Lys de Trina. Très bien. Quel est le lore de cette plante? Ma question. Oh putain non. Oh non pas ça. Des loups en bas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... d'endroit avec... Enfin, il n'y a pas de grâce évanouie dans le coin. Hein. J'ai pas l'impression. On va peut-être pas tenter le diable non plus, comme on dit. On va rentrer quelque part. On va aller vers le château de Voilorage, tiens. On va le tenter. Je pense que ça va être drôle. Allez. Saisir une arme à deux mains augmente votre force effective de 50% pour cette arme. Oui, pardon. Si la jauge de démence se remplit, vous sombrerez dans la folie. Moi, tous les jours. Allez. Voilà. Montée de niveau. Cette fois, je voulais faire quoi? J'ai augmenté ma dexte relativement pas trop mal. Hein, mais on va augmenter un coup en vigueur. Voilà. Hein. C'est pas mal. Allons-y! Il me reste combien de runes? 28. Au pire, on pourra toujours aller faire un petit tour à comment ça s'appelle. Donc il faut que je passe par là, oui. C'est au-delà. Ah mais non, mais attends, mais le château de Voilorage, je peux pas y aller parce qu'il y a plein de connards devant là, avec des catapultes et tout, je crois. Si je me trompe pas. Oui, non, je parlais de l'autre château, du coup, je pense. Attends, non, bah non, c'est pas lui. Attends, non, il me dit d'aller par là. Attends. C'est par là, du coup. Bah si, si. Attends. Apparemment, il y a un chemin caché, là. Je n'ai pas vu, du coup. Un creux dans la montagne, peut-être. J'ai pas l'impression, hein. Bon, on va monter. Ouais, non, hein. Il va bien falloir passer par ici. Allez. Bon, ceux-là, à la limite, je peux me les faire, c'est pas trop un problème, mais... Est-ce qu'il y a un chemin dérobé quelque part? Ah, c'est peut-être celui-là, attends. Bah non, non, ça change rien. Ah non, non, ça change rien, ça. Bon, on va se les faire, hein. Salut les bolos! Ah, ils m'ont vu, merde. Allez, j'ai placé un coup! Ok. Ah, parfait. Ah, les jambières, je les ai pas, par contre, tiens. Ça va peut-être changer ma vie, ça. Hop. Loot, loot, loot. Équipement. Bottes de bandit. Ah. Effectivement, c'est mieux. Voilà. Bon. Prochaine étape, loot les bottes de Godric. Enfin, des soldats de Godric, plutôt. C'était clean, merci. Il y a des bêtes sorbiers là. Parce que ici, je sais que tu peux aller quelque part. J'ai déjà emprunté ce chemin. Mais c'est pas par là. C'est clairement pas par là. Là-bas, c'est vers le château. Et pour entrer dans le château, c'est quelque chose, hein. Je pense qu'il faut juste courir. Parce que déjà, si j'arrive par là, ils me voient, ces connards. Ils me mitraillent.
Ouais, ils m'ont bien vu, ouais. Ouais, mais je pense que je suis quand même censée passer par là, hein. Il y en a un qui est planqué dans les fourrax, là. Hey there. Désolé. T'as un bouclier, j'aime pas trop les boucliers. Oh non, ferme ta gueule. Tais-toi. Oh oh. Oh boy. That ain't going to be fun. Hop. Oh. J'avais pas vu qu'il y en avait un avec un corps. En somme, butons celui avec un corps. Non, en vrai, c'est jouable quand même. Mais il faut juste que je passe par là, parce que si j'utilise la route, je crois qu'ils peuvent me... Enfin, ils me catapultent la tronche. Du coup, c'est pas terrible. Hein, admettons. Malemort. Sympathique. Ils sont derrière, les connards. Ouais, ils sont derrière. Bon, bref, dans tous les cas, j'ai mes bottes maintenant. Je suis une femme nouvelle. Je vais peut-être refaire un truc très simple. Ah, ils m'ont vu, visiblement. Oh, je peux pas fabriquer d'objets en combat, putain. Bon, vous m'oubliez ou pas? Je suis belle. Même dans les pays pauvres. Alors, fléchette en os. On va faire un max. Ok, parfait. Et le pot incendiaire. Parfait. Parfait. Ça sert toujours. Bon, du coup, il y en a un avec un corps. Il est là, celui avec le corps. Ok. L'idéal, ce serait que je le tabasse. Rapidement. Comment je peux faire pour le contourner, lui? Mais il y en a un là aussi. Ah merde, il m'a vu. Non, non, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Eh merde! Oh putain. Bon, ok, on va reculer, hein. On va faire ça. Oh, je vais les mettre près de la falaise. Avec un peu de bol, ils vont tomber comme des cons. Aïe. Ah, pour l'instant, c'est plutôt moi qui vais me faire tomber comme une conne. Ok. Oh merde, non, là, non, là, non, non, ça c'est pas une bonne idée par contre. Ok. POV, envie de crever. Hey. Hey there. Merci d'être sympathique comme tout avec moi, putain de merde. Ah, mais il y a plusieurs archers. Ah, c'est bon. Oula. Vous êtes un peu trop près, mon bon ami. Ok, potion, ça c'est fait. Recule. Ok, c'est bon. Mais il s'est pris une flèche de son pote, je crois, non? Ça m'étonnerait pas, ils ont pas l'air très malins, les soldats de Roderick, mais... Enfin, de Godric, pardon. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Dégage. Ok. Ok. Ah! C'est bon. Je vais bien. I'm fine. I'm fine. Enfin, c'est peut-être pas ce que j'aurais dit, mais... Autre potion? Ok, celui-là, il est dans un coin, il arrive pas à m'atteindre. Ok, il y en a un ici. Ah, mais toi aussi, t'as une arbalète, connard! Ah, bâtard, tu fumes? C'est bon, j'ai buté le dernier. Pardon, j'ai sursauté, j'avais oublié. Genre, vraiment, IRL, j'ai sursauté, c'était très bizarre comme expérience. Mais il y en a d'autres, des connards. Ok, recule. Il va me foutre le feu, lui, allumer le feu. Oh non, ils sont casse-couilles. Ouh. Ouais, deux, non, ça va aller. Ah, oh putain, la portée. C'est le principe d'une lance, mais tout de même. Reculons. Essaye de dual wield les deux épées seigneuriales. Ah, je sais pas si j'en ai une deuxième. Enfin, j'en ai loot une deuxième, c'est ça? C'est pour ça que tu me dis ça? J'ai pas fait gaffe. Attends. Voilà. Ah, il va m'empaler. Empalax. Empalax l'impaleur. C'est bon. C'est bon. Je les ai tous eus? C'est bon? Oh boy. Tu viens d'en avoir. Ok. Effectivement, ça va être drôle si j'en ai deux. Oh merde. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Inventaire. Ah, finally. Some fucking good food. Ah, voilà. Ah, j'ai pas le droit d'en mettre deux? Attends, comment ça? Comment ça? Oh putain. Oh putain. Après, ça change pas grand chose vu que je fais les mêmes dégâts finalement. Que je la porte pas à demain. Non?
Ah mais j'avais changé, j'ai remis la rondache, donc ça changeait pas grand chose finalement. Ah si, je peux faire des doubles attaques plus puissantes. Enfin je pense, j'ai l'impression. Ce n'est peut-être qu'une impression. Je suis à 1033 runes. Et pour faire des attaques à deux armes. Comment ça? Ah. Attends. Ok. J'ai fusionné mes deux épées, incroyable. Qu'est-ce que tu dis toi? Essayez revanche. Et ma revanche. Ah, c'est lui le connard qui a une baliste. Bah tiens. Ta balise de mort. On peut la péter? Attends, faut peut-être monter dessus pour la casser. Ah non, j'y pense. Non, la gâchette gauche du haut. Ah. Voilà. Nique ta mère, comme on dit. Destruction. Pourquoi? Pourquoi? J'avoue. Très bon message. Voilà. Bon, j'étais pas allée dans le château, du coup. C'est pas celui-ci auquel je pensais. C'est de l'eau? Grâce évanouie, droit devant. Ah, merci. Putain, si même dans le château, il y a de l'orage, merci, hein. Bon, du coup, ça va être le premier boss insupportable, je crois. Je suis couverte de sang. Est-ce que ma meuf va pas me parler, là? Ah non. Soit. Ah, j'ai pas assez de runes. Fiole. Ajouter une dose de fiole? Ah non, j'ai plus de graines dorées, c'est vrai. J'en ai plus. Améliorer les fioles. Non, répartir. Aminer. Sort mémoriser. Ok. Yay boy! Hop, j'ai mis deux épées là. J'ai l'air très maligne. Ouh, ça va pas l'air sympathique. Rogier le sorcier! C'est qui Rogier le sorcier? C'est un faux allié du coup? Bon, ça va être insupportable, je le sens. Je vais pas te mentir que péter 1094 runes, je l'aurais un peu mauvaise, donc je pense que je vais aller peut-être up mes épées en fait. Je pense que je vais faire ça. Après, je sais pas si ça vaut le coup vu que. Ouais, un NPC, ok. Ouais. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je fasse ça en vrai. Attends. On va tenter, j'ai rien à perdre de toute façon. Il y a la mer avec un tonneau. Ouais. Hop. Ah mais c'est vrai qu'il y a les madames aussi qui me vendent des trucs. C'est vrai. Lui c'est le connard. Là-bas il y a les carcasses. Hop, pardon, désolé, pas fait exprès. Sinon tu peux grind tes runes dans ton inventaire pour avoir assez pour level up. Ah putain, oui, bien joué. Bien joué le champion. Je vais faire ça, ouais. Attends. Retournons là où on était. Du coup, château de Voile-Orage, c'est... Là? Non. Attends, c'est où? Et où? Et là. Ouais. Tunnel de garde-fort, c'est ça. Bon, de passer de groupe. Adversaire endurci. Mais les carcasses ont un truc très utile. Bah déjà, elles vendent plusieurs esprits. Enfin, ouais, c'est ça, elles vendent plusieurs... Pas des cendres, mais des esprits. Alors. Mais, Runax, petit axe, elles sont où? Elles sont là. Rune dorée, faible, faible. Ok. Combien? Miam. Oh bah, ça devrait faire pied de l'affaire. Oh well. T'inquiète. Montée de niveau. Parfait. Un max en dext. Évidemment. Voilà. Ah, en vrai, je pourrais peut-être faire seigneurial couteau. Pour avoir le truc. Ah, faudrait que je reprenne le couteau. Pour... Bon, du coup, on va invoquer le NPC. Hein. Viens là. Viens là, petit PNJ. Salut Rogier! Comment ça va, Rogier? C'est bon? Bah. Rogier? Ah, merci. C'est bon, j'ai Rogier. Oh, ça pue l'arnaque. Ah, cinématique. Oh, est-ce que je suis belle? Infâme sans éclat! En quête du cercle d'Elden! La flamme de l'ambition guide tes pas! Oui. Ah,
ma manette a tellement vibré. C'est impressionnant. Ah, ok, faut avoir deux armes, d'accord. Quelqu'un doit étouffer ta flamme. C'est le devoir de Margit le déchu. Oh non. Ah, c'est lui, Margit. Oh, oh non. Oh non. Ok, vas-y, fais voir ton moveset. Ah! Ok! Il est pas très sympathique, le vieux! Ouh! Roger, j'ai besoin de toi, Roger! Ok, profitons-en. Oh! Ok, il est vénère, son moveset, effectivement. Oh, putain! Oh, il m'est cher. Il est parti où? Il est là-bas, ok. Il s'occupe de Roger. Oh, Roger, t'es adorable! Ok. Il focus faussement Roger, hein. Back! Back! Putain, mais pourquoi je suis si lente? Qu'est-ce qui se passe? J'étais atrocement lente d'un coup. Je peux peut-être en profiter pour faire ma technique de bâtarde, attendez. Merde, comme ça. Vas-y, viens! Roger, relève-toi, Roger! Wouh! Wouh! Ok, ok. Mais putain, mais le crouch de merde! C'est bon, tout va bien. Trop lourd! Ah, ok. Du coup, ça vaut peut-être pas le coup tant que ça que je mette des meilleures bottes, finalement. Ah, c'est à cause des épées! Recule! Oh putain, c'est vrai que je peux plus me le permettre. Ah ouais, non, c'est insupportable les roulades comme ça, par contre. C'est ignoble. Et je peux pas les enlever. Roger va crever, par contre, hein. Et moi aussi, je vais claquer dans pas longtemps. Il est en train de bouffer Roger? Non, tu grailles pas Roger? Tu ne gnonnies pas Roger? Eh bien, ton talent est indéniable. Le sang des guerriers coule indubitablement dans tes veines, sans éclat. C'est Roger qui a fait tout le taf, mais oui. Ok. Ah ok, le marteau ah. Ouais, non, c'est vraiment pas une bonne idée d'y aller full lourde avec lui. Hein. Les deux ennemis se jugent. Délaisse donc ses orgueilleuses ambitions. Bon. On va retirer les grosses bottes, hein. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Ou alors, je retourne à l'arme à deux mains. Ça se fait aussi. Je pense que je vais peut-être essayer d'abord ça. Et ouais, en vrai... Bah, en vrai, déjà, on a réussi à le mid. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Après, attends, équipement. Sinon, bouclier ou le couteau, tu peux les tèges. Ah, oui, pas con. Attends. Ouais, c'est bon, je les tège. Je suis à combien? Ça passe pile, je crois. Mais le couteau, après, j'aimerais bien le réutiliser. Je peux jeter l'arc aussi, je l'utilise pas. Voilà. Je suis à 32. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Après, je vais pas mentir que... Attends. Ah merde, j'ai désactivé mon épée, attends. Équipement. Deuxième épée. C'est bon. Voilà. C'est mieux. Charge lourde, c'est ça qui indique les rôles. Très bien. Allons-y, Roger. Allons-y, allons-y. T'es là, Roger? Hein, Roger? Comment il va, Roger? Parfait. On y va, Roger. On y va, Roro. Mais réessaye pour elle pour les attaques lourdes. Merde. Bon, tant pis. C'est du suicide. Il a basse bataire. Ok, ok. Oula, là, j'ai cherché la merde, hein, très honnêtement. Ouh, oui, je cherche la merde. Bah, c'est quoi ce hit en arrière, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Ok. Putain. L'allié pour le premier boss, c'est quand même gentil, hein. Ok, il m'en veut maintenant, je crois. Il m'en veut personnellement, hein. Ouais, il m'aime pas trop, hein. On l'avait compris dans son dialogue, mais... Il l'a un peu mauvaise, visiblement. Ah, recule, bibiche. Ok. Roger fait quand même bien le taf, hein, y a pas à dire. Recule! Roger, bébou! Ça va pas, là. Faut qu'on parle, Roger. Ton talent est indéniable. Ok.
Le sang des guerriers coule indéniablement dans tes veines, sans éclat. Putain, Roger, il va pas bien, là, hein. Margit le déchu. Roger, le sorcier a péri. Ouais, maintenant, ça va être nous deux, et ça va être plus compliqué, déjà. Oh ! Ah oui, non, il enchaîne. Il a pas le temps, hein. Ouh, putain. Ah, j'ai plus de fioles. Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé avec 3 fioles. Oui, ça va être quelque chose. Ceci dit, je suis un peu plus que midlife, là. Je disais quoi ? Ah. En vrai, ça me semble jouable, en vrai. Genre, il est chaud, mais je sais pas, ça ne me frustre pas pour l'instant. En vrai, 10 minutes pour le faire. Ah, putain, c'est vrai que j'ai monté. Attendez, j'ai complètement oublié monter. On va le boire. Ça va me repeps. C'est du thé à la rose. La fleur de lotus, hein. Hey, Rogier! Besoin de toi, Rogier, là! Hop, les Rogier. Oui. Et on va se poser devant l'effigie de Marika, ça ira plus vite. Ouais. Hop. Voilà. Mais du coup, c'est un recueil d'invocation et pas une effigie. Pardon. C'est bon, t'es là? Allons-y. GG d'avoir atteint la phase 2. First try, though, ça m'a mis genre 10 essais. Bah après, il y a, enfin, t'avais pris Rogier, toi, ou pas? Parce que moi, j'ai pris Rogier dès le début, donc peut-être que, voilà. Ça veut pas dire que c'est mal de prendre Rogier, hein, qu'on soit bien d'accord, mais... Du coup, il y a peut-être plus de mérite à... Recule! Putain, il est en train de défoncer Rogier! Il est en train de niquer Rogier! Ça suffit! C'est quoi ce racisme envers Rogier, là? Calme-toi, mon gros! Après, j'avais peut-être plus de niveau que vous, aussi. Je sais pas. Vu que moi j'ai quand même bien exploré, j'ai pas fait directement la ligne principale. Du coup, forcément. Ah, il m'en veut personnellement, encore une fois. Rogier, arrête de te faire défoncer. Serre de support, OMG. Serre de soutien, on peut se reléguer. T'es pas obligé de faire ça. Rogier, mais qu'est-ce que tu fais? Putain. Allez. Non mais Rogier, il est en train de se faire fumax, là. Arrête, Rogier. Je l'avais pris les 2-3 premières fois, après je l'ai plus pris. Ah ouais? Ok. Écoute, mais moi aussi je suis surprise hein, de réussir atteindre sa seconde phase, hein, je vais pas te mentir. Parce que apparemment c'est genre un des pires boss du jeu, Margit. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Aïe. Oh! Eh oh! Attends, je peux. Oh oui, putain, attends, je vais essayer ça. Est-ce qu'on peut genre le faire sortir de la zone? Je suis vraiment curieuse. Attends, je vais essayer. Viens là. Viens là, Margit. Viens là. Ah, merde. Ça me semble jouable en vrai, hein. Bon, j'ai envie d'essayer. Si vous faufilez dans le dos d'un ennemi, vous aurez l'occasion de lui infliger un coup critique. Vous pouvez également infliger un coup critique après avoir brisé la posture d'un ennemi. Ouais, les coups critiques, je suis un nanan. Ok. Attends. Ah non. Allons-y, mon cher Rogier. Ah, le temps que ça s'affiche, ça a été un peu bizarre, mais sinon, tranquille. Oh. On a une relation peut-être un peu trop fusionnelle, là, Rogier, s'il te plaît. Hein? Oh, doucement. J'ai déjà ma servante, hein. Allons-y. On y va. Peut-être un des plus violents pour les Veritas Souls, vu l'énorme délai dans tous ces styles de combat et la variance de ces strings. Ah bon? Moi, je sais pas, ça me choque pas, en vrai. Je sais pas. Mais après, c'est peut-être parce que c'est mon premier Souls aussi, du coup, je suis pas habituée. Du coup, ça me choque moins. Tu vois? Du coup, paradoxalement, j'ai moins de mal, tu vois? C'est peut-être ça, en vrai, hein. Il y a peut-être un truc bizarre comme ça, genre reverse. Moi, je suis pas du tout habituée, du coup, bizarrement, ça m'est plus simple. Après, je me fais quand même niquer, hein, soyons honnêtes. Oh putain, ouais, il fait mal. Calmez-vous, Marchit, on peut en parler en thérapie. Hein. Vous savez, ça irait peut-être plus facile. Ce serait peut-être plus facile si on en parlait en thérapie, même. Parce que putain, vous avez des problèmes de colère à revendre, hein. En plus, vous êtes moche, si je puis me permettre. Arrête d'attaquer Rogier, merde! Je suis blonde et je porte les couleurs de ton seigneur, là. Ça te suffit pas, connard? Aïe. Bah voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Il a lâché Rogier. Parfait. Rogier, attaque-le avec tes sorts, nom d'un chien. T'es un sorcier, pas un coupeur de poulet, merde. Ok. Ah, je suis en crouch. C'est pas le but, mais... Oula. Rogier. Tout à fait moyen. Il y a eu ce phénomène avec Sekiro. Le sang, j'éclat, coûte indubitablement dans tes veines, sans éclat.
Ouais. Ah oui, 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 oui. Roger, précipite-le dans le ravin. Non, merde. Roger le sorcier a péri. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Bizarrement. Quoi? C'est bon. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça, merde. Wouh, wouh, wouh. Ok. Léger délai. Ok. Léger délai. Dans le dos. Toujours attaqué dans le dos. Wouh. Hey, oh, oh, oh. Hein? Oh, hey. Midlife. Je reste dans le midlife, quand même. Mais je pense que Roger fait bien de taille, hein, frère. Roger, il carry de ouf. C'est genre, il y a Roger, moi, je suis en mode... Ouais, vas-y, Roger. Wouh. Mais oui, oui, jouable pour l'instant, en tout cas. Tout à fait, il y a eu ce phénomène avec Sekiro qui était bien plus dur pour les joueurs Souls que pour les nouveaux comme moi. Ok, je vois. Bah ouais, du coup, moi, je sais pas, ça me choque pas. Genre, vraiment, le boss me choque pas comme étant particulièrement plus dur que les autres, tu vois. Enfin, les autres, hein, j'en fais qu'un. Si tu n'utilises pas elle pour tes attaques doubles, autant porter une épée à deux mains. Je vais faire ça, parce que j'ai pas le réflexe d'attaquer dessus. Après, je pense que t'as remarqué que j'ai très peu de réflexes tout court, mais... Fabrication d'objets, équipement... oh putain, comment on fait déjà pour remettre? Attends. On avait dit que c'était... Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon, on y va, Roger. Ça sera peut-être plus facile comme ça. Il va me sauter sur la gueule. Bingo! Oh putain, quoi? Il fait mal, le bâtard. Ah voilà, là effectivement, c'est plus efficace. Ah oui, oui, ça régale! Ah, les dégâts que je vois affichés sont tout de suite plus charmants. Il est parti où? Ah, il est en train de se... Mais Roger, nom d'un chien! T'es un sorcier! Pas un boucheron! Un boucheron, c'est un mélange de boucher et bûcheron. Hein? On va dire ça. Ah, quoique, en vrai. Ah non, je me fais un peu niquer là, par contre. Hein. Oh oh. Oh oh. Mais focus-moi au lieu de focus... Aïe! Ok, ok, ouais, j'ai rien, j'ai... Oh, vas-y, finis dans le ravin! Saute dans le ravin! Saute dans le ravin! Oh oh. Ah, j'ai niqué des trucs. Arrête d'attaquer Roger! Roger! Oh, j'ai plus de vie! J'avais pas fait gaffe. Magite le déchu! C'est vrai qu'il a l'air d'avoir quand même une sacrée peau dégueulasse. Ah, du coup, c'est qui par rapport à Godric? C'est ça la vraie question. Je pense qu'on aura plus de l'or à l'intérieur du château. Déjà, on sait que Godric s'est fait latter la gueule par Michaela, c'est déjà un bon avancement. Michaela qui a un style absolument incroyable d'ailleurs. Allez! Allez! C'est bon? On peut y aller, Roger? Parfait, allons-y. C'est bon, il est là. Il est derrière moi normalement. Ouais, c'est bon. Il va, il va, il va. Ok. Recule! Putain, oui, mais ils changent de focus très vite, les boss, par contre, hein. Putain, je suis habitué à Tesso, je peux te dire que Tesso, il leur faut bien... il leur faut bien 5-6 movesets avant qu'ils changent d'aggro, hein, c'est terrible. Putain, ouais, ils changent énormément d'aggro. Oula. Vas-y, viens! Mais du coup, c'est plus facile pour moi. Enfin, plus facile, façon de parler, hein. Il me pète la gueule, quand même. Putain, Roger, 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 jette-le dans le ravin, jette-le dans le ravin! Ah, il est trop gros, je peux pas... Aïe! Oh! Oh! Oh non, on y était presque! À 1 cm près, on y était! C'était excellentissime! Oh oui. Oh oui, Roger. Oh, Roger qui carry. Non, c'est moi qu'il faut attaquer, pas Roger. Regarde, moi, je suis moche. En plus, je suis anti-seigneur. T'aimes pas les anti-seigneurs, non? Bah, attaque-moi, alors. Moi, je suis une révolutionnaire. T'aimes pas les révolutionnaires, hein, mon coco? Putain, il va buter Roger. Arrête! Bute pas Roger! OMG! Oh, yeah. Oh, il a une bonne portée, hein. Il a une jolie voix. Eh, hey, je l'ai mis un peu plus loin, là, déjà. Attends, mais Roger était encore en vie? Putain, Roger était encore en vie. Insane. Insane. Mmh. Ouais. Et les cendres, je peux pas les invoquer tout de suite, on est bien d'accord. Enfin, les cendres. Non, c'est les restes machin, là. Attends. C'est quoi, déjà? C'est quoi le nom? Cendres des nobles errants.
C'est genre ça s'enclenche à certains temps, je sais pas. Ouais. Je crois que tu m'avais expliqué, j'ai oublié. Pardon. Allons-y. Je pense qu'on se fait encore 5 essais et puis après on arrête. Ah mais j'ai pas mis de musique. Attendez, il faut que je me déterre. Là ça va pas marcher. On va mettre Fal. C'est très drôle ce qui se passe en jeu. Désolé, je laisse comme ça. C'est drôle. Allez, Falls of Okai. Normalement ça devrait pas être trop fort si c'est vraiment trop fort. Oh c'était excellentissime. Faut la cloche des carcasses pour le Suman. Ah ok. C'est ça que tu me disais que c'est très utile. Ok, bon c'est pas grave, on y va. Ouh. Tu me diras si c'est beaucoup trop fort par contre hein. Bâton. Oh le moveset est incroyable. Si il invoque le marteau, faut que je me casse. C'est la logique. Parararam, parararam, pam, pam, pam. Tududum, tududududum, pam, pam, pam. Il est en train de fumer Roger là par contre, ça va pas du tout. Arrête, laisse Roger tranquille. Ok. Pam, pam, pam. Laisse Roger. Laisse Roger tranquille. Sac à merde. Qu'est-ce que Roger l'a déstabilisé. Roger. Oh non, Roger, crève pas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, là. Ça va pas le faire si tu crèves. Roger. Roger, non. Roger a péri. Il va me sauter à la gueule. Oh, la distance était suffisante, l'arrêter. Spin. Oui. C'est réel, c'est le spin. False of Okai rend bien. Allez, encore 4 essais. L'ambiance voit l'orage. ASMR voit l'orage. Voilà. La blague a été faite. Maintenant, je la referai plus. Spin. On y va. On y va. On rappelle que c'est évidemment la musique de Tryhard hein. Ok. Roger qui est beaucoup plus efficace que moi hein. Faut qu'on en parle. Ok. Faut que j'enchaîne pendant. Tiens, ne me focus pas. Ouh. Je disais quoi, qu'il me focus pas déjà? Ouais. Bah dis donc, vous changez de focus souvent mon grand. Ça doit pas être compliqué. Ça doit être compliqué la vie de couple. Hop. Allez. Ah, on peut clairement tomber dans le vide, je pense, hein. Enfin, moi ça me paraît très bizarre que les Dark Souls soient le jeu, enfin les From Software soient le genre de jeu qui t'empêche de tomber dans le vide. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il se... Ah voilà, si je crève pas, c'est... Oh non, là, je mérite. Je mérite entièrement, là. Voilà, c'est bon. Ah, là, j'ai un quart. Bon. Plus que 3 essais. Et puis après, on arrête. Demain, on fera probablement du Oblivion et Outer Wilds, du coup. Genre 1 heure d'Oblivion et 1 heure ou 1h30 d'Outer Wilds, selon comment on avance. Allez, c'est parti. Oui. Je me trouve pas dégueu. Hein. Je me trouve pas dégueu. On y va, Roger. C'est parti. Ah oui. Oh bah oui, oui, bah carrément. Ah, il peut se retourner. Ok, j'avais pas capté ça. Ok, c'est noté. Il en a après qui? Il en a après Roger. Il en a après Bébou Roger. Merde. Je suis pas Roger, merde. Je tiens à dire que la plupart des dégâts, c'est Roger qui lui a fait, hein, c'est pas moi. Ça peut changer, mais...
J'ai l'impression... Mais si, c'est bon, j'arrive à le toucher. Aïe. Ok. Let's go. J'ai planté dans son point faible, du coup, ou c'est juste... Oh oh. Ok, c'est bon. Ok. Rush. Oh. Ok. Roger, t'es bientôt crevé, par contre, hein. Focus-moi avant que... Oh, bah, Roger est mort. Ok. C'est noté. Marteau. Aïe. Aïe. Oh, marteau. Eh bah, t'es complètement marteau. Au secours. Aïe. Margit gère la fougère, mais un peu trop, là. Hein. Oh, putain, ces enchaînements. Oh, t'as fait une riposte. Bah, je pense. J'ai pas fait exprès, mais oui. Mais là, je suis pas mid-life, mais il a quand même enclenché sa deuxième phase. Bizarre. Comment on fait une riposte? M'intéresse. Ça m'aidera peut-être. Ok. Double deux essais. Quand t'entends le thud, faut se mettre devant l'ennemi à genoux. Ah bon, bah du coup, avec la musique, ça va être compliqué, quoi. On y va. Putain. Il a quand même une bonne portée, ce bâtard. Oh, mais là, si je crevais, c'était mérité, par contre, hein. Hey! Mais il attaque aussi avec sa queue, putain. Vous avez un moveset beaucoup trop développé, mon grand. Eh oh, touche pas à Roger. Oh. Ah, il m'en veut. Ah oui. Bah, quand tu dois briser sa posture, sinon, quand tu tombes à genoux, ouais, quand tu tombes à genoux, du coup. Ça va, j'avais compris que quand il tombait à genoux, c'était pas normal, il fallait bourrer, mais... Ça va, c'est quand même très instinctif. Bon, bah, dernier essai. Noir Roger. C'est bon. Justement, faut pas bourriner, faut se mettre devant et voilà la riposte. Oui, non mais. Ok. Hey, j'ai esquive. J'ai vesqui. Attendez, s'il vous plaît. Un peu de respect, merde. Mais il faut pas que je me mette dans le même champ que l'autre. Sinon, évidemment, on va se faire défoncer. Hey! Cette portée de bâtard. Hey! En fait, le truc qui est vraiment chiant, c'est qu'il se retourne très vite. Donc, quand tu sais pas qui est aggro, c'est juste gratos, en fait. C'est ça qui est vraiment chiant. Ah, il est... Vite! Bang! Recule! Eh, j'ai reculé par contre. Il en veut à Roger. Ouais. Eh! Ah, dommage. Bon, déjà, on a réussi à conserver Roger mid-life, c'est pas mal. Roger, continue-le. Hein. Bon, on va s'arrêter là, du coup. Merci de m'avoir suivi. Ce fut... Ouais. Voilà, on a avancé, quoi. On va quitter net, par contre. On va quitter proprement. Comment on fait déjà? Configuration. Comme ça, ouais. Allez, c'est parti. Je ne suis que niveau 17. Honda Unameko. Oui. Je veux m'en aller. C'est bon. Du coup, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi, je ne sais pas trop, hein, et continuez d'apprendre, c'est le plus important, hein.